Coucou les amis, bonjour, bonne nuit, bonne soirée, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien, je suis en pleine forme. Nous sommes en plein Ramadan, malgré ça, je tiens le coup, le jeûne, ça se passe bien. Je souhaite un très bon mois de Ramadan à tous mes fans, à tous mes abonnés musulmans. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de bien-être. Vraiment, hein, nous les Africains, là, on exagère. On exagère dans tout. Il y a le coronavirus, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mélanger les symptômes du coronavirus avec les symptômes de la grippe. Non, sérieux. Le coronavirus est venu nous trouver ici avec nos grippes, avec notre palu, avec notre fièvre, avec notre toux. Mais je suis choquée de voir certaines personnes qui comptent leurs proches souffrant de grippe parmi les personnes atteintes du coronavirus. Moi-même, j'ai été victime. Avant même que cette histoire de coronavirus, ça n'arrive en Afrique. J'avais chopé une grippe. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont grippées, là, la grippe, là, ça a dû. Ça les fatigue, ça casse la voix, ça donne la toux, les narines sont bouchées, souvent même le nez coule, la tête chauffe, souvent même on fait la fièvre. Si c'est la grippe qu'on appelle coronavirus, là, dites-nous. Parce que vraiment, le comportement de certaines personnes, là, ça choque. Ça choque. Ils ne veulent même pas voir quelqu'un éternuer. Ils ne veulent même pas voir quelqu'un tousser. Qu'on le veuille ou pas, que tu sois malade ou pas, il y a des moments là, tu éternues. Il y a des moments où tu tousses. Ça vient comme ça. Tu n'es pas malade, mais tu tousses. Mais au jour d'aujourd'hui, là, faut pas tousser au milieu des gens. Hein. Tu tousses net, même ton propre parent, là, il va te regarder mal. Et puis il va dire, moi, c'est les là même qui peut me tuer. Ça veut dire quoi? Donc parce qu'il y a coronavirus, faut plus les gens vont tousser. Parce qu'il y a coronavirus, si tu as envie d'éternuer, c'est un besoin naturel. L'éternuement, c'est un besoin naturel. Faut plus on va éternuer, on n'a qu'à avaler. On ne peut pas avaler éternuement là. Donc parce qu'il y a coronavirus, là, faut plus on va être grippé. La grippe là, on n'achète pas. On ne fait pas exprès. Ça vient seul. Et puis ça s'en va. Il y a des périodes de grippe aussi. C'est périodique. Donc, vraiment, hein, arrêtez. Quand vous voyez quelqu'un tousser à côté de vous, là, arrêtez de comment dirais-je même, de faire comme si la personne était... Je ne sais pas, ils ont une manière de te regarder, ils ont une manière de faire comme si ils sont mieux que toi, ils ont une manière de faire comme si toi, tu n'as pas le droit de tousser. Arrêtez ça. Arrêtez de choquer vos proches. Quand vous faites, pardon, hein, ça gêne, la personne est gênée. La personne est gênée, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas, elle ne fait pas exprès. Donc, pardonnez, je ne vais pas être longue. Hein? Arrêtez ça. Ne confondez pas grippe et coronavirus. Arrêtez ça. Vous mettez mal, vous mettez vos proches mal à l'aise. Sérieux. Moi-même, j'ai été victime de ça. J'étais grippée. J'avais la toux, une toux vraiment pas possible. La toux même, mais ce n'était pas corona. Je suis allée au salon de coiffure pour faire mes cheveux. Mes abonnés, mes amis, mes trois tiseurs. La coiffeuse qui m'a reçue là. Et bien, elle n'est pas la patronne, mais mes apprentis. En temps normal, là, elle ne peut même pas me voir, même me regarder droit dans les yeux, même pour me parler. Ce jour-là, j'ai toussé. En ce moment-là, tout était grave. J'avais porté mon masque. J'ai éternué, j'ai toussé. Mes cheveux étaient trop mélangés. Il fallait que j'aille entretenir ça un peu au salon. Sinon, j'allais rester à la maison. Eh? Qui m'a envoyé? De toute façon, la fille, elle m'a parlé mal. De toute façon, elle m'a insulté. J'étais assise là comme ça au milieu des gens. J'étais gênée. J'avais honte. Comme si je faisais exprès de tousser. Comme si je faisais exprès de me moucher. Je n'ai rien dit, même ah, je n'ai pas dit.
la seule chose que j'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, fasse que cette grippe-là quitte sur moi et aille sur cette fille-là pour qu'elle puisse comprendre que je ne fais pas esprit. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Mais je n'ai rien dit, je reste silencieuse. Je l'ai regardé comme ça. Puis je suis partie. Il y a des gens aussi, quand tu es avec eux dans la voiture, ou bien tes collègues au travail. Bon, ce n'est pas à cause d'une grippe. On va rester à la maison, on ne va pas aller travailler. Si tu ne vas pas travailler là, tu vas manger comment? Tu vas au travail, tu tousses, tes collègues te regardent mal. Tu es dans une voiture de transport en commun, tu es éternue, ou bien tu tousses, les gars te regardent mal. En temps normal, quelqu'un qui a corona là, il peut avoir la force de marcher. De toute façon, on explique là, il y a la diarrhée, il y a le mal de ventre, il y a la fièvre, il y a la migraine. Quelqu'un qui a tout ça là, il peut marcher, il peut aller au travail, il peut sortir. Pardonnez africains, mes frères africains, arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Hein? Le corona est venu nous trouver ici, et on avait déjà la grippe ici, on avait déjà la toux. Donc ne confondez pas corona et grippe. Pardonnez, sciencez, ne confondez pas corona et grippe. Vous aimez trop ça. Comme si vous-même là, vous ne toussez pas, ou bien comme si vous-même là, vous n'éternuez pas. Arrêtez ça, hein, ne faites pas ça. Vous mettez les gens mal à l'aise. Vraiment, cette période-là, quoi, était la période vraiment la pire. Une période vraiment difficile pour moi. La mauvaise même. Sérieux? Ah! Et souvent, tu es dans quelque part, tu as envie de tousser, tellement tu as peur de leur réaction. Tu fais comme ça. Tu racles ta gorge, tout ça là, pour ne pas tousser. Mais tout connaît pas ça. La toux, quoi. Oh, la toux, c'est la maladie de la honte. La toux connaît pas ça. Tu attrapes, tu attrapes, tu attrapes. Et puis quand tu attrapes, là, quand ça va sortir, de toute façon, ça sort beaucoup. Tu es au milieu des gens, tu as honte comme ça. Tout le monde te regarde. Aujourd'hui, la toux est devenue une maladie de honte. La grippe est devenue une maladie de honte. Il y a des gens même, quand ils te voient tousser, même pour tousser aujourd'hui, on se cache. Faut pas te cacher. Faut pas te cacher. D'ici, tu vas dans quelqu'un s'est caché pour appeler leur numéro vert là, pour dire que tu as corona, tu as un cas. Alors que tu n'as pas corona, tu es grippé, tu es enrhumé. Ou bien peut-être tu es allé quelque part, la pluie t'a bien chipoté. Tout le monde sait que quand la pluie te frappe, tu prends grippe en même temps. Hein? Un des trois nets, vous appelez, telle personne est cas suspect. Toi, tu es médecin. Tu es médecin. Peut-être même toi-même, tu penses que tu es en bonne santé, tu es bien portant. Peut-être toi-même, là, c'est toi, tu as corona. Lui qui est en train de tout ça à côté de toi, il n'a pas corona. Hein? Donc là, c'était ça, quoi. Peut-être pour se dire les vérités. Arrêtez ça. Donc, c'était un peu ça. Je ne vais pas être longue. C'est le mois de Ramadan. On doit se reposer. Autour des babadages, là, c'est pas...